C'est presque impossible de se passer totalement des écrans. Ils sont partout autour de nous, on les utilise tout le temps. Alors si tu ne veux pas finir avec les yeux carrés, il va falloir apprendre à te déconnecter. Après une partie de ton jeu vidéo préféré ou de chat avec tes copains sur les réseaux sociaux, c'est important de faire d'autres activités, des activités débranchées. Par exemple, jouer à des jeux de société, aller se balader, bouquiner, bricoler. Et le moment le plus important pour t'éloigner de tes écrans, c'est le soir. Entre les sollicitations, la lumière bleue et les notifications, ton téléphone et les écrans sont les pires ennemis de ton sommeil. Et pour bien grandir, il faut bien dormir, on le sait. Alors après 20h, pour les écrans aussi, c'est l'heure de se reposer. Ce n'est pas parce qu'on apprend avec les écrans qu'on va devenir comme par magie plus intelligent. Il faut surtout savoir les utiliser correctement. C'est pour ça que tes professeurs sont là et qu'ils ne seront pas remplacés par des robots. Ils savent exactement comment tirer profit de ces nouvelles technologies. Avec le numérique, par exemple, tu peux réaliser une vidéo pour ton exposé, aller faire des recherches sur ton site internet préféré, ou alors rester connecté avec tes copains pendant l'école à la maison. Grâce au numérique, on peut apprendre différemment, de manière beaucoup plus dynamique et plus ludique, mais ça ne t'empêchera pas de devoir continuer à réviser tes tables de multiplication et à faire des dictées. Peu importe le métier que tu feras plus tard, il est fort probable que le numérique ne soit pas très loin. De nos jours, déjà, il est à peu près partout. Chez les médecins, chez les artisans et même chez les agriculteurs. Si tu es créatif, pourquoi pas t'orienter vers le monde du jeu vidéo? Si tu aimes être entouré, tu pourrais par exemple animer une communauté sur les réseaux sociaux. Si tu es plutôt bricoleur et imaginatif, la robotique serait parfaite pour toi. Mais si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire plus tard, c'est pas grave. Plus de la moitié des métiers de demain n'existent pas encore et sont à inventer.